On fait le point? Hey, salut tout le monde, c'est Spectrol, comment ça va? On se retrouve eh bien pour une nouvelle vidéo. Et eh bien, vu le titre de la vidéo et vu ce que je viens de dire, bah, ça sera le titre de la vidéo, on fait le point, voilà, où je vais parler un petit peu de ma vie, un petit peu de tout et de rien, et par YouTube aussi. Et voilà, donc c'est une vidéo qui va être qui ne va pas être cutée, voilà, il y a des moments de blanc peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je tenais à tous vous remercier. Alors j'ai pris des petites notes hein, quand même, parce que bon, pour commencer, voilà, il faut prendre des notes. Bon, j'ai pris une petite écriture vraiment très ridicule, hein. Moi je suis en mode docteur, je fais pas mal de fautes, bref on s'en fout. Je tenais à remercier toutes les personnes bah, qui m'ont soutenu dans cette phase assez difficile, comme vous avez pu voir dans la vidéo, je sais plus c'était quoi le titre de la vidéo, mais bref, j'allais vraiment pas bien, comme vous avez pu le voir. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, des personnes qui m'ont appelé au téléphone, des amis, des potos, des collègues de YouTube, tout ça, des donateurs, et aussi tous les abonnés qui sont présents. Alors vous n'avez pas été tous non plus, parce qu'on est quand même 36 000, tu vois, mais je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans cette phase très difficile de ma vie, toujours aussi un petit peu pesante, mais gardez le sourire les amis, toujours garder le sourire, c'est le plus important. Tu te sens un petit peu mieux en souriant, et même si vous allez pas bien par exemple là en ce moment, ou que vous allez super bien, bah souriez de temps en temps, même dans la rue, tu vois, tu souris, t'es bien, voilà. Donc je tenais à remercier toutes les personnes bah, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, Google Plus, ouais, Google Plus, c'est le réseau que personne n'utilise, Twitter, Discord, DM, plein de trucs, merci énormément, merci à toutes les personnes qui m'ont appelé au téléphone, mais en fait, c'était trop bizarre, parce qu'en fait, c'était des abonnés, je sais pas comment ils ont eu mon numéro, mais c'est secret alors, hein. ne dites pas mon numéro de téléphone à qui que ce soit, hein, s'il vous plaît. Mais en tout cas, là, je tenais à remercier toutes les personnes. Merci Fildron, merci à la Trash, Trash Family, Trash Pokémon. Ah, c'est un peu toute la famille Trash. Merci à Fabrice, merci à Thomas, merci à plein de monde. Vous vous reconnaîtrez, hein, je cite tout le monde. Ça va créer du favoritisme, mais c'est pas vraiment le cas. Mais ça fait maintenant depuis 2012 que j'ai ma chaîne YouTube. Et mine de rien, bah, on avance dans le temps, hein, plus de 36 000 personnes, énorme remerciement, plus de 7 millions de vues, j'ai regardé ça il y a 3-4 jours, merci, merci beaucoup les amis, merci de me faire garder le sourire, merci de me motiver en ce moment pour faire de nouvelles vidéos, j'ai plein de nouveaux projets, c'est complètement dingue, il y a une grosse série qui va arriver les amis, ça c'est juste complètement fou les amis. Bon, on va parler un petit peu donc de ma vie. Donc bah, vous savez qu'en ce moment j'étais donc victime d'escroquerie, donc aussi avec mes parents, parce que par rapport à divorce de mes parents, c'est un peu dur à dire, mais je pense pas à pleurer dans cette vidéo, hein, non. Mais donc ouais, on était victime donc en gros de bah en fait mes parents ils divorcent, tu vois, donc c'est pas forcément facile. Et je l'ai vécu un petit peu très mal, même si bah, maintenant j'ai 23 ans, je m'appelle Francky, enchanté. Et le truc, c'est que mes parents, alors en fait je t'explique vite fait, je vais pas tout t'expliquer dans les moindres détails, mais en gros, dans le divorce, en fait, t'avais le tarif, tu vois, donc tarif de plus de 500 balles, déjà ça coûte assez cher quand même pour divorcer, bref, maintenant tu peux faire des divorces à l'amiable, c'est moins cher et tout, et le truc en fait, c'est que, bah en fait, tu devais payer, en fait, pour chaque message que tu envoyais à l'avocat, tu devais payer 130 euros par message, donc 130 euros x 23, ça fait combien? Ça fait plus de 2990 euros, voilà, plus 500 euros, plus des problèmes à côté, donc je suis parti un petit peu dans une dépression, hein, je veux pas te le cacher, et j'étais pas bien, et il y a vraiment une source de motivation, bah, grâce à vous, j'ai beaucoup pleuré, hein, c'est normal, parce que quand je voyais vraiment vos gros messages de soutien, bah, ça m'a beaucoup aidé, et je tenais à vous remercier tous les amis, donc merci, enfin... Je sais pas, j'arrive pas à faire un cœur, enfin, bref, le cœur y est, les amis, et merci beaucoup. Vidéo ce soir sur Yo-kai Watch 2, Esprit Farceur et Phantom Bouffy, aussi à noter. Je vais expliquer, donc, les mises à jour de la 2.0, et oui, c'est possible. Donc, ça va être plutôt cool, donc, soyez au rendez-vous, les amis, en laissant des petits pouces bleus. D'ailleurs, en parlant de pouces bleus, je compte sur vous pour mettre des petits pouces. Alors, si vous voyez Game One, c'est pas un placement de produit, hein, c'est juste que ça, c'était dans le truc de Paris Games Week, d'ailleurs, sera la Paris Games Week, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc merci pour ceux qui mettent des petits likes. Donc voilà, donc victime d'escroquerie, vous savez que ma mère n'a pas encore la retraite, ça fait maintenant presque 3 mois maintenant, hein, ça passe. Et donc du coup, bah, c'est moi qui paye, et du coup, moi j'ai jamais été dépensier. Et le fait de, tu sais, de se priver depuis 5 ans, bah, j'ai fait aussi une grosse boulette, j'ai dépensé 450 euros dans un jeu, vous le savez déjà, je vous l'avais expliqué un petit peu. On va pas en revenir dessus, et je le regrette amèrement, et je ne peux pas revenir en arrière, mais bref,
c'est comme ça. Et puis d'autres petits soucis à côté, et aussi d'autres soucis majeurs, mais je peux pas vous en parler pour le moment, c'est quand même assez compliqué. C'est encore plus compliqué que la vidéo du divorce, mais bref, on va pas en parler, on va sourire un petit peu, et voilà. On va parler des séries, donc Yo-Kai Watch 2, Esprit Farceur, donc continue. Il va bientôt s'arrêter, parce qu'il y a Yo-Kai Spectre Psychique qui sortira donc le 29 septembre, les amis. Ensuite, Yo-Kai Watch Puni Puni, ça va continuer, mais je vais faire beaucoup moins parce que je me couchais à des heures pas possibles. Donc oui, ça, pour situer vite fait une parenthèse au niveau de ma vie, ça fait depuis maintenant un an et demi que je travaille plus, que j'étais en cuisine, ça faisait 8 ans que je faisais de la cuisine, on m'a dégoûté de la cuisine, voilà. Et le truc, ça fait donc un an et demi que je suis à plein temps sur YouTube, voilà. Donc les revenus sont assez miséreux, mais tu vois, je me plains pas, tu vois. Et c'est toutes mes économies qui partent petit à petit. J'en rigole, mais c'est nerveux, hein, attention. Ouais. Donc voilà, pour ça, Random Soleil, ça va continuer. On va le terminer, donc peut-être la saison 3, à moins qu'on meure dans la saison 3, et du coup, on va aller dans la saison 4, etc. Donc avec des handicaps, des règles supplémentaires, du Random Soleil, hein, comme on les aime dans Pokémon. Inazuma Eleven 2, je pense s'arrêter la série parce que déjà on a fini la quête principale. Je pense pas continuer vraiment. C'est comme Inazuma Eleven 3 Tempête de glace. Si tu regardes bien, j'ai dit ouais, je vais faire les quêtes annexes. J'ai pas fait les quêtes annexes et j'ai arrêté définitivement la série. Et j'avais pas donné vraiment de signe de nouvelles à part en live. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui me suivent en live depuis déjà pas mal de temps. Voilà, Wiggle Wobble, ça continue. Oh, je suis super content par contre pour Wiggle Wobble. Certes, j'ai dépensé une grosse somme d'argent quand j'allais pas bien, donc dépression, tu sais qu'il y a des choses que quand tu fais, tu le maîtrises pas forcément et tu t'en rends pas compte et tu dépenses et après tu fais ah, j'ai plus d'argent, je suis à découvert, j'ai moins 1000 euros, moins 2000, ouais, ça peut arriver ça. Et je suis très content de Wiggle Ball, pas par rapport à une somme d'argent que j'ai perdu, mais que j'ai en fait, vous savez, mon ancien PC qui est mort, d'ailleurs ça aussi ça m'a beaucoup affecté un petit peu, bah moins que le divorce, hein, c'est normal, hein. Mais ça m'a un peu affecté parce que c'était un petit peu, bah c'était mon petit bijou, tu vois, c'était mon petit bébé à moi, tu vois. Et donc ça, le truc qui est bien, c'est que maintenant, tous les anciens montages qui étaient, parce que en fait, j'ai perdu mon PC, donc j'ai perdu toutes les sauvegardes, les comment ça s'appelle, pas les cuts, mais les rushs, voilà, les rushs de vidéos et tout ça, que j'avais commencé à monter et tout. Et en fait, tout ça, il était corrompu. Ah ouais, quand c'est corrompu, bah tu fais quoi? Bah, t'essayes de restaurer les fichiers avec des logiciels. Alors, il y en a, ils étaient payants, ils étaient gratuits. Moi, j'ai essayé de gratter les gratuits, parce que bah, sinon, c'est trop cher, tu vois. Et j'ai... Qu'est-ce que j'ai galéré. Et les gens qui se plaignent, Wiggle Wobble, ça fait au moins 6 mois que t'as pas fait les vidéos dessus en avance. Oui, bah, c'est pas de ma faute. Mais par contre, le truc qui est bien, c'est que maintenant, tous les anciens montages, toutes les vidéos que j'ai faites de Wiggle Wobble sur l'ancien PC, j'en ai plus à monter, c'est fini. Maintenant j'ai les montages à faire de Wiggle Wobble sur le nouveau PC, donc j'ai tout à disposition dans la session vidéo et j'ai juste après à faire les rushs et tout ça et faire les montages et après les poster. Donc vous inquiétez pas, Wiggle Wobble, vous allez en avoir très régulièrement. Ça va être très difficile ce mois-ci parce qu'il y a une grosse série que je peux pas vraiment vous dire la série, mais ça va être une grosse série que j'ai énormément kiffé. Ça fait pas mal de temps que je réfléchis à ça. Je peux pas vous en dire plus. Vous découvrez ça, ben en fait c'est fin septembre, début octobre, et je pense que vous n'êtes pas prêts, les amis. Donc si si ça vous apprécie, ben le nouveau projet, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je compte sur vous, les amis. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, il y a Éclat Pourpre. Éclat Pourpre, ça fait déjà pas mal de temps que je n'en parlais plus, mais ça c'est l'arrêt de la série, hein, parce qu'en fait, il y a Yo-Kai Watch 2, Puni Puni, Random Soleil, Inazuma Eleven 2, Wiggle Wobble, Éclat Pourpre, Sonic Mania, et une huitième série. Ça fait 8 let's play, c'est pas possible, hein. Moi je peux plus, moi je suis tout seul à gérer la chaîne, donc d'ailleurs j'ai besoin un petit peu de votre aide si vous pouvez m'aider, mais on y reviendra tout petit peu plus tard. Donc pour terminer, Wiggle Wobble, donc ça continue, y a pas de souci, tout ça. Éclat Pourpre, j'arrête, peut-être que je referai une série l'année prochaine, j'en sais rien, je voulais faire un guide plutôt, mais soit je supprime les vidéos dessus, soit je les garde dans le répertoire, soit je les laisse, je sais pas, mais me demandez pas la suite d'Éclat Pourpre, j'ai plus trop le temps. Sonic Mania qui était une série qui est pour moi très nostalgique, alors je ne vais pas l'arrêter. En fait, je sais pas si je la continue en live ou je la fais dans mon coin.
Je sais pas trop, mais en tout cas moi je terminerai ce jeu soit de mon côté soit en live. Ça c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur. Voilà. J'ai besoin de votre aide. Voilà. Si vous voulez m'aider, si vous êtes graphiste, si vous voulez m'aider, ben n'hésitez pas. C'est spectrolo@gmail.com. Donc je mettrai en description si vous voulez accéder à mon mail, si vous voulez m'aider pour toute aide. Voilà. Enfin, franchement, c'est super sympa si vous pouvez m'aider. Être tout seul, de faire les miniatures, de faire le montage, de faire les scripts, de faire la production, créativité. Ben, c'est pas forcément évident et donc j'aimerais un petit peu de votre aide si vous pouvez si vous pouvez pas c'est pas grave hein, t'inquiète pas j'ai un site internet ouais j'ai un site internet donc c'est Lokidari qui s'en est occupé qui a créé donc le site qui a codé qui a développé hein, langage de programmation hein, tu connais et je suis super content c'est un gros projet aussi hein, ça mine de rien alors ça prend du temps parce que plus de YouTube plus la vie RL plus j'essaye de faire des petits trucs à côté des travails peut-être mal payés, des fois, si tu gagnes 50 euros, c'est vraiment dégueulasse, mais on s'en fout, tu gagnes un peu d'argent, du coup, tu peux encore un petit peu. Enfin, tu vis pas trop, mais bon, tu survis. Voilà. Et le truc qui est intéressant, donc ce site internet, c'est. Il y a aussi un blog, et dans ce blog-là, en fait, il y a tous des tests de jeux, en fait, de Nintendo ou d'autres licences. Et grâce à vous, grâce à toute la communauté qui partage les vidéos, etc., ben, j'ai l'opportunité de tester des fois des jeux Nintendo. Du Monster Hunter, du Pikmin, du Metroid Samus Returns, comment ça s'appelle, je cherche, Mario Color Splash, du Sonic, le nouveau jeu qui va arriver là, bientôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, y a d'autres jeux, il y a d'autres jeux, voilà, il y a d'autres jeux sur la chaîne. Il y a plus de 1300, 1400 vidéos sur la chaîne, donc y a plein de trucs à regarder, quoi. Et je suis super content, parce que ben c'est super de tester des nouveaux jeux un petit peu en avance. Etc. Tourner en avance, faire les projets, faire les tests. Je fais un test écrit maintenant, donc sur le blog. Test vidéo aussi, comme vous avez pu le voir. Donc j'ai aussi besoin un petit peu de changement. Toujours Pokémon Nozomi Yokai Watch, au bout d'un moment ça va saturer et j'ai pas trop envie. Donc je suis content de faire des nouvelles choses. Maintenant j'ai un programme, j'ai un planning, je vous le dirai pas parce que voilà. Donc du coup, je commence à 9h et je finis à 18h ou 20h sur YouTube et j'ai 2 jours ou un jour de repos. Ça dépend des fois, je travaille sur le jour de repos pour YouTube pour vous faire des petites vidéos et du contenu. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas, c'est dans la description. Tout ce que je vous ai dit depuis le début, c'est dans la description. Les nouveaux let's play qui vont arriver, c'est aussi dans la description. Il n'y a pas de souci. C'est pour moi, c'est une source de motivation. Ça change, tu vois, c'est tout le temps des nouvelles choses que tu fais. En parlant des conventions aussi, je serai normalement à la Paris Games Week début novembre parce que ça commence début novembre. Normalement, c'est fin octobre, début novembre, mais là, c'est début novembre. C'est entre 1 jusqu'au 5 novembre. J'y serai. Si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas. Voilà tout. Je vous fais de gros bisous parce que là je vais tourner plein de trucs donc cette vidéo a fait. Ah, ça va 12 minutes, ça va. Ouais, je vous fais de gros bisous. Je crois que j'ai parlé du plus important et peut-être des petits détails que j'ai oubliés. Ah oui, Twitch. Twitch, je vais peut-être reprendre Twitch aussi. Des streams. Ah oui, les personnes qui ne se baissent pas sur Twitch, s'il vous plaît, pour le moment. Je suis toujours affilié à Webedia Gaming Live. Tu connais les bails. Hein, pour ceux qui connaissent, qui me suivaient sur la TV Pokémon depuis de 2 ans déjà sur la chaîne. Je vous conseille pas de sub parce que sinon vous allez donner de l'argent à Webedia et puis voilà, c'est pas ouf. Et il y a maintenant des sponsors sur YouTube. D'ailleurs, il y a quelques sponsors et tout ça. Et bien en fait, il y a des nouvelles emotes, les amis. Et ça, c'est super cool. C'est un peu comme sur Twitch. Alors par contre, je crois que le prix du sponsor a augmenté. C'est YouTube Gaming qui a décidé ça. Donc maintenant, c'est comme sur Twitch. En fait, c'est 4,99. Et tous ceux qui donnent un don de 5 euros, que ce soit sur sponsor, que ce soit un don donation, et bien, vous avez accès à un serveur premium Discord, avec du contenu bonus, des vidéos en avance, des exclus. Enfin bref, pas mal de trucs. Voilà. Bon, j'ai résumé tout ce que je voulais vous dire à peu près. Ah oui, j'ai reçu un colis. Faut pas que je monte l'adresse, hein, faut pas déconner. J'ai reçu un colis, les amis. Je l'ouvrirai alors soit demain, soit après-demain. Mais en tout cas, je suis super content de vous faire découvrir bientôt eh bien cette petite boîte, ce colis. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la partager, par exemple, si des gens ont des questions dans les commentaires. Parce que vous savez que je peux plus répondre en ce moment aux commentaires. Il y a plus de. Alors, je crois qu'il y a plus de 39 000 commentaires maintenant. Alors, je peux plus répondre. J'aimerais bien faire une FAQ. Pour moi, j'ai pas forcément le temps. Mais
mais bref, on y reviendra quand je pourrai. Je vais pas beaucoup dormir, je vais pas vous le cacher. Même si je dis, ouais, je me lève à 9h à 18h, je pense que je vais me coucher à 3-4h du matin, me lever à 9h. Parce qu'en fait, c'est cette grosse série qui va me prendre énormément de temps et j'espère que vous allez l'accueillir comme il se doit. C'est vraiment une grosse série, les amis. C'est une grosse série pour moi. C'est la grosse série de l'année, je pense, ouais. Ouais, je pense que c'est possible, ouais. Avec Ultra Lune et Ultra Soleil aussi, ouais. Et puis d'autres petits jeux à côté qui est dans la description, bien entendu. Bon, on fait pas. Je sais plus ce que je voulais dire, mais bref, c'est pas. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et je vous félicite à tous et je vous remercie tous de votre soutien. Je vous fais de gros bisous. Petit cœur sur vous. Salut tout le monde.